Alors moi, ce que je verrais pour la fugue, tu vois, plutôt, tu vois, la fugue, elle a 4 doigts ou 5, il y a des moments, elle a 5. Alors tu vois, quand il prend le premier clavecin, alors le premier, il énonce le thème. Et puis, il fait la réponse. Oui, logique. Oui, logique. Non, moi, ce que je dirais, c'est que là, le clavecin, il fait la réponse. C'est-à-dire que les clavecins, les voix, elles rentrent en se croisant d'un clavecin à l'autre. Tu les vois, pourquoi pas? Et oui, parce que chacun, on aura, oui, il faut tout réécrire, on aura les mains plus séparées. Et c'est beaucoup, et le relief sonore est plus intéressant. Parce qu'on entend les clavecins se répondre. Mais c'est-à-dire que nous, on veut faire un truc pour deux clavecins, alors que Bach, il a fait un truc pour orgue. C'est quand même différent. Ré, si, sol. La poussière sur mon miroir. Tu vois, l'ensemble des couleurs complémentaires, elles correspondent pas du tout, ou presque pas, aux couleurs qu'on mélange en peinture. Donc vert jaune, plus violet, ça fait aussi blanc. Tu vois, alors là, si ça c'est un. Si cette couleur là c'est un do, et bien celle-là c'est le do à l'octave au-dessus. Il y a une octave de visible.
Dans la lumière, il ne peut pas y avoir d'harmonique, puisque déjà la plus basse, c'est une octave. C'est un peu de rouge, non, c'est pas la peine. Pas de rouge, non. Bon, ben c'est bien comme ça. Ah, c'est pas toi qui as mis la peinture dans les petits trucs. Ben non, je les ai achetés. Tu vois, ça donne une teinte délicate. Ah ouais. Très légère, hein. Très légère. Ça suffit. Ça va. On va faire un petit coulin comme ça. Voilà, tu termines tout et tu allumes le feu et qu'elle sèche au plus vite. Deux, c'est plus facile, hein. Tu l'as fait seul, toi?